Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et aujourd'hui, on rejoint notre amie Dali Dimitrov. Bon matin, bonne journée. Tu sais, on entend tellement parler de respect dans les dernières 50, 60, 100 ans, le respect. Il y avait une certaine autorité dans le respect. Il y avait un respect au niveau de honneur ta mère, ton père. Je suis pas contre ça. C'est le premier homme et la première femme de votre vie. Ça, c'est important d'avoir un respect pour eux. Parce qu'on est notre mère et notre père. À quelque part, on a le gène. Et nous avons donné la vie. Il y avait respect de l'autorité où ce qu'il y avait une certaine peur qui embarquait dans ça. Respecte les autorités. Puis, il y a un respect qui me touche beaucoup. C'est drôle parce que j'ai fait énormément de sondages dans ma carrière. Je suis dans ma 25e année en relation d'aide. Et des gens, ils inventent des façons, ils ont la valeur de voir le respect. Le premier respect, c'est le respect de soi-même. Ça, là. Se respecter dans la façon qu'on se traite. Dans la façon qu'on se parle, dans nos limites. La platitude dans la vie, et je ne parle pas à travers mon chapeau, c'est que les gens, il faut qu'ils dépassent leurs limites pour en savoir qu'il y en a. Ils ne sont pas conscients qu'il y en a. Se respecter, c'est dire oui à sa vie. C'est drôle parce qu'on n'a tellement pas habitué à dire oui que ça sort. Oui, mais... Dire non à quelqu'un, c'est oui à sa vie. Et souvent, on va vouloir à la personne qui nous demande quelque chose. Mais c'est pas à l'autre personne qu'on devra vouloir, c'est à soi-même pour pas savoir se positionner puis se dire non, ça me plaît pas, non, ça me convient pas, non, je suis pas dans la mood. Des fois, je vais y aller dans certaines conférences ou des réunions, puis il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils sachent que je suis en relation d'aide, puis ils vont me demander, Dali, est-ce que je peux te parler quelques minutes? Puis avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur et le respect pour moi puis autrui, je vais dire, je peux pas t'écouter à le moment, j'ai la misère à m'entendre. Et si je ne serai pas une femme respectueuse, j'aurai dit oui, puis là je m'en vais vouloir, parce que dans le fin fond, traite-toi pas de non. Moi j'ai quelqu'un que je parlais avec avant-hier, puis la personne me disait, oh, je suis bien non stupide. Je dis, parle-toi pas comme ça. Pense pas comme ça. Parce que si tu penses que vous êtes stupide, tu vas agir comme une personne stupide et tu vas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre de t'appeler ça. Reste respectueuse envers vous-même. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charron. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Encore cette semaine, je vous parle de cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la paix. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'il est de plus en plus important de parler de paix, de parler d'amour. Et en portant ce bracelet, on dit au monde entier, à ceux qui nous entourent, que nous, on est nés non pas pour la haine et pour la violence, mais on est nés pour l'amour et pour la paix. Le bracelet est en cristal, vous allez le voir, vous le voyez à l'écran, et il est entouré de belles petites croix plaquées argent, et au bout, une belle breloque d'un crucifix, plaqué argent également. Et je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. C'est toujours avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux.
Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le bracelet de la paix qui est en cristal et je vous rappelle aussi qu'il est autant pour les femmes que pour les hommes et il est extensible, donc il va faire à tout le monde. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de février, mais merci aussi de votre prière. Je vous rappelle que c'est extrêmement important. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Un nouveau venu dans la grande famille de la Victoire de l'amour. Il fait partie, lui aussi, de la communauté de l'Emmanuel. Il s'agit de Père Brice Petitjean. Il est français, d'ailleurs. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il disait aussi à la foule, « Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence. » Frères et sœurs, cette dernière parole de Jésus, cette phrase a bouleversé la vie d'un saint, de saint François Xavier, cet étudiant au XVIe siècle, colocataire de saint Ignace, qui va décider de suivre réellement le Christ en entendant cette parole. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence? Il va, du jour au lendemain, décider d'arrêter une carrière ecclésiastique pour en tirer du profit et des bénéfices et choisir une bonne situation pour se mettre avec saint Ignace à l'écoute de la parole et à la suite du Christ. Jésus nous invite dans ce temps, dans ce début de carême, nous aussi, à écouter cette parole qui vient transformer notre être, à écouter cette parole qui nous invite à quitter un certain confort, une certaine facilité de vie, à quitter le gain du monde pour choisir une vie qui vise à ne choisir que lui, que le Christ seul. Il s'agit donc non pas de gagner, mais il s'agit de perdre. Il s'agit de perdre ce que nous croyons être un gain. Jésus ici inverse la mentalité dans laquelle nous grandissons. Nous pensons qu'une vie comblée, une vie heureuse serait une vie qui va chercher à posséder plus, à conquérir un univers, un monde qui nous entoure. Et pourtant, la parole que Jésus nous donne est bien inverse. Il s'agit non pas de nous préoccuper du monde pour gagner, mais de nous mettre à la suite de Jésus, de nous perdre pour lui, pour gagner. Alors, c'est un choix radical qui nous est fait aujourd'hui. C'est un choix qui nous propose un mot que nous avons peut-être des difficultés à accueillir, qui nous propose le sacrifice. En ce début de carême, au lendemain du mercredi des cendres, où nous avons été appelés à la conversion, eh bien, il nous faut décider de sacrifier quelque chose qui nous attache peut-être encore trop profondément au monde, au désir de grandir dans un gain qui ne fait que dans le fond nous perdre. Saint François Xavier avait un désir grand d'aventure. Il avait un désir
d'aller peut-être là où il ne serait jamais allé. Mais initialement, il pensait pouvoir y parvenir en utilisant les moyens du monde, en utilisant l'argent, en utilisant ses relations, en utilisant tout ce qui faisait qu'il était issu de la noblesse. À l'écoute de cette parole, en entendant cette parole, il va choisir non plus de s'appuyer sur ce qui faisait sa réussite, mais il va choisir de choisir celui qui peut lui faire vivre une grande réussite dans sa vie. Et c'est ainsi qu'il va vivre une grande aventure. L'aventure d'un des premiers missionnaires, un premier missionnaire qui va partir en Asie, une aventure qui va le faire traverser une grande partie de l'Asie, l'Inde, les îles au nord de l'Indonésie, les Moluques, jusqu'au Japon, et il mourra finalement aux portes de la Chine. Cette parole, quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier? Eh bien, cette parole a fait de lui un aventurier de Dieu. Elle a répondu à son désir profond d'une aventure. Alors nous voulons, nous aussi évidemment, aujourd'hui, en ce début de carême, vivre cette aventure à la suite de Jésus. Jésus nous appelle à le suivre à chaque jour de ce carême qui va nous conduire, jour après jour, jusqu'à Pâques, jusqu'à cet événement d'une semaine, de la Semaine Sainte, et jusqu'à cet événement historique qui va transformer toute l'histoire. Alors nous voulons, frères et sœurs, nous aussi accueillir cette parole. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence? Nous voulons accueillir cette parole aujourd'hui pour qu'elle fasse germer en nous une nouvelle aventure, une vraie aventure, celle qui nous fera gagner ce que nous n'attendions pas, celle qui nous fera gagner ce que Jésus veut nous faire gagner. Alors laissons-nous toucher par cette parole vivante et demandons au Seigneur, par la puissance de son amour, de nous bénir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charron. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h, à l'Arena Maurice Richard de Montréal, métro Viau. Coût du billet 25$, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à réserver vos billets pour le 20e anniversaire de Victoire de l'amour. Je vous rappelle que ça aura lieu samedi le 16 mai à l'Aréna Maurice Richard. Ça commence à 1h de l'après-midi, ça se termine à 5h et les portes ouvriront à 11h le matin. Et je vous rappelle pour ceux qui sont, parce que c'est notre première fois à Montréal en 20 ans, imaginez. Et pour ceux qui sont de Montréal et des alentours, c'est facile, c'est la porte à côté, vraiment à côté là, du métro Viau. Alors c'est facile à venir, réservez rapidement. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Tu sais, parce qu'on dit souvent, lorsqu'on vient proche de mourir, qu'on s'adresse à Dieu. Avez-vous eu le temps de faire ça? Absolument. Oh, ouais. Puis, tu lui demandes... En dernier, en tout cas, quand tu chutes, tu te dis, « Ben non, là, la vie, c'est belle, tout va bien, puis tu sais, je suis grand-père. Puis... » Puis au bout de cette quarantaine de secondes-là, tu te dis, « Ben, ça, on va tomber, puis on va s'écraser. » Puis rendu en haut, tu me diras pourquoi, puis si ça te tente.